Louise Diakité est une jeune femme noire d'une trentaine d'années, née à Paris de parents sénégalais. Depuis son enfance, elle a toujours su qu'elle devait travailler deux fois plus dur pour être reconnue dans un milieu souvent réservé aux privilégiés. Elle a grandi dans un quartier populaire de la banlieue parisienne, un environnement où la diversité culturelle était omniprésente, mais où les inégalités étaient aussi très visibles. En tant que petite fille curieuse et créative, elle passait des heures à dessiner, à imaginer des créations innovantes, rêvant d'un jour où elle pourrait partager ses idées avec le monde entier. Après des années d'études acharnées à l'école Boulle, l'une des écoles de design les plus prestigieuses de France, Louise a su se faire une place dans le monde très compétitif du design parisien. Son talent unique pour allier esthétique moderne et éléments culturels africains lui a rapidement permis de se distinguer dans un secteur dominé par des designers blancs. Louise n'a jamais voulu être réduite à ses origines, mais elle est bien consciente que celle-ci façonne en partie son art et son identité. Elle porte avec fierté ses racines africaines tout en naviguant dans les exigences et les codes du milieu du design en France. Aujourd'hui, Louise travaille dans une grande agence de design située dans le 3e arrondissement de Paris, un quartier où l'art et la culture foisonnent. Son bureau, entouré de galeries d'art et de cafés branchés, est un lieu où la créativité semble flotter dans l'air. Elle est l'une des rares femmes noires à occuper un poste de direction dans cette agence, et son parcours inspire non seulement ses collègues mais aussi de nombreuses jeunes femmes issues de l'immigration. En dépit de son succès, Louise sait qu'elle doit constamment prouver sa valeur. Ses collègues la respectent pour ses compétences et sa vision, mais elle ressent parfois un décalage, une distance subtile mais présente. Elle se souvient de ces moments où, malgré ses accomplissements, on l'a prise pour l'assistante ou pour une employée subalterne simplement à cause de la couleur de sa peau. Cela la blesse, mais elle refuse de se laisser abattre. Malgré ses obstacles, Louise continue de se battre, forte de ses convictions et de son ambition. Elle a su transformer chaque difficulté en motivation, se surpassant à chaque étape de sa carrière. Et aujourd'hui, elle peut enfin dire qu'elle a atteint un niveau où ses créations sont reconnues non seulement en France, mais aussi à l'international. Pourtant, sous ses succès éclatants, elle porte toujours en elle une conscience aiguë des préjugés que la société continue de nourrir. C'est dans cette réalité que Louise vit son quotidien à Paris, une ville qui, tout en étant un carrefour de culture, reste marquée par des stéréotypes et des inégalités sociales profondes. Louise sait que, même si elle est vue comme une référence dans son domaine, ses origines et son apparence restent, aux yeux de certains, une barrière invisible mais bien réelle. Et c'est dans ce contexte, entre succès professionnel et lutte personnelle, que Louise va bientôt se retrouver face à une réalité qu'elle connaît trop bien, celle des préjugés raciaux. C'est une fin de journée comme les autres pour Louise. Après avoir passé de longues heures au bureau, finalisant un projet important pour un client prestigieux, elle décide de rentrer chez elle à pied, profitant de l'air frais du début de soirée parisienne. Le ciel est d'un bleu profond, parsemé de quelques nuages roses, et les rues du centre de Paris sont encore animées par les passants, les touristes et les travailleurs qui rentrent chez eux. Louise, habillée avec élégance dans un manteau noir minimaliste, sa sacoche en cuir pendue à l'épaule, marche d'un pas rapide mais tranquille. Elle apprécie ses moments de solitude après une journée intense de travail, où elle peut laisser son esprit vagabonder. Alors qu'elle traverse la place de la République, un endroit qu'elle connaît bien, elle remarque deux policiers qui se tiennent à l'angle de la rue. Elle ne leur prête pas attention au départ, habituée à voir des patrouilles fréquentes dans cette partie de la ville. Cependant, en quelques secondes, les deux hommes s'approchent d'elle. L'un d'eux, un homme grand aux cheveux rasés, fait un signe à son collègue plus jeune, et ensemble, ils se dirigent vers Louise. « Madame, s'il vous plaît, un instant. » Contrôle de routine. La voix du policier est neutre, mais son regard est déjà plus inquisiteur que nécessaire. Louise s'arrête, légèrement surprise. Elle n'a jamais eu de problème avec la police et se dit que ce doit être une simple formalité. Elle sort doucement ses écouteurs de ses oreilles et les enroule soigneusement autour de son téléphone. « Bonsoir, y a-t-il un problème ?» demande-t-elle poliment, bien consciente de la réputation des contrôles de police à Paris, particulièrement dans certains quartiers. Mais cette fois, elle se trouve dans une zone plutôt centrale, un endroit où elle ne s'attendait pas à être arrêtée. Le policier la regarde de haut en bas, scrutant chaque détail de son apparence. « Vos papiers, s'il vous plaît. » Son ton est devenu plus froid, presque méfiant. Louise se raidit légèrement, ressentant un malaise grandissant. Elle sort calmement sa carte d'identité de son sac et l'attend au policier. « Voilà, monsieur. Je reviens du travail, je suis designer dans une agence à quelques rues d'ici. » Le deuxième policier, plus jeune et visiblement moins expérimenté, reste silencieux,
mais son regard reflète la même suspicion que celui de son collègue. Louise sent l'ombre du jugement. Elle a vu ce regard auparavant. Un mélange de préjugés et de doutes qui surgit dès qu'une personne comme elle sort du cadre que l'on attend. Designer, hein? Le premier policier plisse les yeux, comme s'il trouvait cela difficile à croire. Il examine sa carte d'identité avec une attention exagérée, tandis que son collègue la contourne, comme pour l'inspecter sous un autre angle. « Vous habitez où ?» demande-t-il d'un ton brusque. Louise prend une grande inspiration, sentant l'animosité qui commence à s'installer dans l'air. « J'habite à Montreuil. Je travaille dans le Marais. Je rentre chez moi, c'est tout. » Sa voix reste posée, mais intérieurement, elle sent une vague de frustration monter. Pourquoi ces questions lui sont-elles posées alors qu'elle n'a rien fait de suspect? Elle connaît bien la réponse, mais elle refuse de laisser la colère la submerger. Le policier hausse un sourcil à la mention de Montreuil. Montreuil, hein, murmure-t-il, presque pour lui-même, comme si cela confirmait quelque chose dans son esprit. Il lui rend enfin ses papiers, mais sans lui accorder un regard de plus. Très bien. Vous pouvez y aller. Louise récupère ses documents sans un mot de plus. Elle ressent un mélange de soulagement et de frustration. Elle s'éloigne lentement, ses pas devenant plus lourds. Elle ne peut s'empêcher de se demander ce qui se serait passé si elle n'avait pas répondu de manière aussi calme, si elle avait été plus combative ou plus effrayée. Et surtout, pourquoi elle avait été ciblée en premier lieu. Alors que Louise s'éloigne des policiers, elle ne peut s'empêcher de sentir une tension palpable dans l'air. Elle a souvent entendu des histoires de contrôle aux faciès, des témoignages de discrimination raciale, mais n'avait jamais vécu une situation où elle se sentait directement visée de cette manière. Ses pensées tourbillonnent, mais à peine a-t-elle parcouru quelques mètres que l'un des policiers l'appelle de nouveau. « Attendez !» La voix est plus autoritaire cette fois, presque coupante. Louise se retourne, son cœur s'accélérant légèrement. Elle voit le même policier, celui qui l'avait questionné, marcher vers elle d'un pas ferme. L'autre reste en retrait, les bras croisés, observant la scène d'un regard distant. Elle comprend rapidement que cette situation va durer plus longtemps que prévu. Le policier arrive devant elle, s'arrêtant à quelques centimètres à peine. Son visage est fermé, et il la dévisage comme s'il cherchait une raison valable de poursuivre cette interpellation. « Vous venez vraiment de ce quartier ?» demande-t-il, sceptique. Louise, perplexe, fronce légèrement les sourcils. « Oui, je viens de Montreuil, je l'ai déjà dit. » Le ton du policier devient plus agressif. « Et vous travaillez vraiment dans une agence de design ?»« Vous avez l'air bien habillé pour une simple promeneuse, c'est étonnant. » Ses paroles sont teintées de condescendance, comme s'il insinuait que Louise n'avait pas le profil pour occuper un poste prestigieux. L'idée que sa couleur de peau puisse influencer la manière dont elle est perçue la frappe de plein fouet. Elle reste silencieuse un instant, digérant l'absurdité de la situation. Pourquoi une femme noire ne pourrait-elle pas être designer? Pourquoi ses compétences seraient-elles mises en doute? Louise sent une boule de colère monter en elle, mais elle se force à rester calme. Elle a appris, à travers les années, à ne pas réagir à chaud, à toujours garder son sang-froid dans ce genre de situation. Pourtant, c'est un effort immense. Oui, je suis designer. Vous pouvez vérifier si vous le souhaitez. Je travaille chez Agence Créa Paris, juste à quelques rues d'ici. Le policier la fixe, comme s'il essayait de déceler une faille dans ses propos, quelque chose qui trahirait un mensonge. Pendant un instant, un silence pesant s'installe entre eux. Puis il lance, « Vous avez de la drogue sur vous ?» La question sort de nulle part, brutale, comme un coup en plein visage. Louise, choquée, recule d'un pas involontairement. Pardon ? Sa voix est à la fois incrédule et offusquée. Elle n'en revient pas. Comment une simple promenade peut-elle mener à une telle accusation ? Elle sent l'humiliation monter en elle. Le policier, quant à lui, ne semble pas gêné. Il continue sur le même ton, vous savez, on arrête beaucoup de gens ici pour des trafics divers. Vous avez un sac, qui sait ce qu'il y a dedans ? Louise serre les poings, mais garde ses mains bien visibles, consciente que tout geste pourrait être interprété de travers. Je n'ai rien à cacher. Fouillez-moi si ça vous amuse. Sa voix est plus dure, plus affirmée. Elle en a assez de ce jeu humiliant. Elle tend son sac, le bras tendu, le regard fixe. Elle est prête à en finir avec cette mascarade. Le policier hésite un instant, réalisant peut-être qu'il est allé trop loin.
Il jette un regard à son collègue, qui secoue légèrement la tête, comme pour lui indiquer qu'il devrait arrêter là. Mais l'homme devant Louise semble pris dans une dynamique qu'il ne contrôle plus. Il prend le sac, l'ouvre d'un geste brusque et inspecte rapidement l'intérieur. Bien sûr, il n'y trouve rien d'illégal, juste des affaires de travail, un carnet de croquis, des stylos, son téléphone. « C'est bon, vous pouvez y aller », dit-il sèchement, lui rendant son sac. Louise le prend sans un mot, mais quelque chose en elle a changé. Ce n'est pas juste de l'humiliation qu'elle ressent, mais une profonde indignation. Elle sait qu'elle ne devrait pas se laisser affecter, qu'elle ne doit pas montrer de faiblesse, mais elle sent le poids du regard de l'autre policier, de celui qui est resté silencieux tout ce temps, presque complice par son inaction. Elle n'a pas besoin de dire quoi que ce soit de plus. Le mal est déjà fait. Louise, bien que secouée intérieurement par cette interpellation brutale et injustifiée, sait qu'elle ne peut pas se permettre de perdre son sang-froid. Les rues de Paris sont animées, des gens passent, mais personne ne semble vraiment prêter attention à ce qui se passe. C'est souvent ainsi avec ces situations, les gens préfèrent détourner le regard, comme si cela n'était pas leur affaire. Pourtant, à cet instant, elle ressent le poids de l'isolement et de l'injustice qui l'accable. Elle prend une grande respiration, cherchant à calmer son esprit qui s'agite sous l'effet de la colère et de la frustration. « Écoutez, je rentre simplement chez moi après une longue journée de travail », dit-elle d'une voix qu'elle tente de rendre aussi posée que possible. Ses yeux plongent dans ceux du policier, cherchant à établir un semblant de connexion humaine, espérant que cela désamorcera la situation. Mais en réponse, elle ne reçoit qu'un regard froid et inexpressif. « Vous travaillez dans quelle agence déjà ?» demande le policier, feignant l'intérêt, mais son ton trahit le peu de crédit qu'il accorde à ses paroles. Louise sait que quoi qu'elle dise, il ne la croit pas ou ne veut pas la croire. Pourtant, elle persiste, espérant que sa sincérité suffira à apaiser la méfiance du policier. L'agence crée à Paris, dans le 3e arrondissement. « Vous pouvez appeler pour vérifier si vous voulez », réplique-t-elle, un léger tremblement dans la voix, non pas par peur, mais par la tension de la situation. Elle lui tend à nouveau ses papiers, espérant que cette fois, cela suffira à prouver son identité et sa bonne foi. Mais le policier ne fait même pas l'effort de les regarder de plus près. Son silence se fait lourd, pesant, tandis que le deuxième policier continue d'observer la scène en arrière-plan, sans intervenir. Louise se sent prise au piège dans ce dialogue à sens unique, comme si elle était jugée coupable d'office sans la moindre chance de s'expliquer correctement. Elle se tient droite, tentant de ne pas laisser son inquiétude transparaître, mais intérieurement, elle lutte pour ne pas se laisser emporter par l'injustice flagrante de la situation. « Vous savez, madame, on a beaucoup de problèmes dans ce coin avec des trafics, des vols. » Commence le policier, cherchant visiblement à justifier son attitude. Mais Louise ne le laisse pas finir. Cette fois, elle refuse de rester passive. « Je n'ai rien à voir avec tout ça », rétorque-t-elle d'une voix ferme, presque coupante. « Je suis designer. Je viens de passer la journée à travailler sur un projet important. Tout ce que je veux, c'est rentrer chez moi. Pourquoi est-ce que vous me parlez comme si j'étais une criminelle ?» Son regard est perçant, et pour la première fois, elle voit une lueur de doute dans les yeux du policier. Peut-être qu'il réalise qu'il est allé trop loin, ou peut-être que ses propos commencent à résonner en lui, mais il hésite. Le silence s'étire une nouvelle fois entre eux. Louise reste immobile, ses papiers toujours en main, ses doigts légèrement crispés autour des documents. Elle sent que tout pourrait basculer d'un instant à l'autre, mais elle refuse de céder à la panique ou à la colère. Elle a trop souvent vu des situations comme celle-ci dégénérer lorsque les émotions prenaient le dessus. Le policier jette un coup d'œil rapide à son collègue, comme s'il cherchait une validation silencieuse de la part de ce dernier. Mais l'autre reste impassible, observant de loin, sans intervenir. Louise comprend alors que c'est à elle de gérer cette situation, de trouver une issue. Personne d'autre ne viendra l'aider. « Je ne vous demande pas de me croire sur parole », dit-elle enfin, plus doucement, dans une tentative de désamorcer l'escalade. « Je vous offre juste la vérité. Je n'ai rien fait de mal. Je suis juste fatiguée, et je veux rentrer chez moi. » Elle se tient là, vulnérable mais déterminée, son regard ancré dans celui du policier. Après un long moment de silence, il finit par baisser les yeux, signe qu'il commence à capituler face à la réalité de la situation. « Très bien, » murmure-t-il, à contre-séhure. « Vous pouvez y aller. » Mais à cet instant, Louise ne ressent ni soulagement, ni satisfaction. Ce n'est pas une victoire. Elle se sent profondément blessée, comme si une part d'elle-même avait été arrachée.
Les mots du policier résonnent dans sa tête, froids et pleins de jugement. Et bien qu'elle soit enfin libre de partir, elle sait que cette expérience laissera une marque indélébile sur elle. Alors que Louise récupère ses documents, elle se prépare à tourner les talons et à s'éloigner. Mais avant de faire un pas, le policier la retient une dernière fois. « Attendez », lance-t-il d'une voix légèrement adoucie, mais toujours teintée de méfiance. « Vous avez dit que vous êtes designer ?» Cette fois, il semble porter plus d'attention à ses paroles, comme si l'idée qu'une femme noire puisse travailler dans une prestigieuse agence parisienne le perturbait soudainement. Louise, bien que lassée de ce manège, décide de répondre calmement, consciente que chaque mot compte dans cette situation tendue. « Oui, je suis designer graphique. Je travaille pour une des plus grandes agences de Paris, Agence Créa Paris. Vous en avez sûrement déjà entendu parler. » Elle espère que mentionner le nom de son employeur, bien connu dans le milieu artistique parisien, changera quelque chose dans cette interaction. Le policier fronce les sourcils, visiblement pris de court par cette révélation. Il ne s'attendait certainement pas à ce qu'une femme noire, qu'il avait probablement déjà cataloguée comme suspecte, puisse occuper un tel poste. Pendant quelques instants, un silence gêné s'installe entre eux, et Louise peut presque voir les rouages tourner dans son esprit. Il semble peser le pour et le contre, comme s'il n'arrivait pas à réconcilier l'image qu'il s'était fait d'elle avec la réalité qu'elle lui présente. Son collègue, jusque-là resté silencieux, s'avance légèrement, visiblement intrigué par cette tournure inattendue. « Vous travaillez vraiment dans une agence comme ça ?» demande-t-il, moins agressif, mais toujours avec un soupçon de doute dans la voix. Pour eux, c'est comme si Louise venait de briser une sorte de stéréotype silencieux qu'ils entretenaient. Une femme noire, élégante, se promenant dans un quartier parisien chic, travaillant pour une agence prestigieuse. Ce n'était clairement pas l'histoire qu'il s'était racontée en l'arrêtant. Louise, tout en restant polie, laisse échapper un léger soupir d'exaspération. « Oui, vraiment. Pourquoi ça vous semble-t-il si difficile à croire ?» Elle n'a pas envie de se justifier davantage, mais elle sent que cette révélation a au moins ébranlé les certitudes du policier. Le premier policier, celui qui l'a questionné le plus durement, semble un peu décontenancé par la situation. Il toussote légèrement, comme pour se redonner une contenance. C'est juste que, on voit rarement. Ses mots s'effacent, incapable de formuler clairement ce qu'il ressent. Louise comprend rapidement qu'il est en train de lutter contre ses propres préjugés. Il ne s'attendait pas à cette réponse, et maintenant, il ne sait plus comment réagir. « Vous voyez rarement quoi, exactement ?» l'interrompt Louise, plus durement qu'elle ne le voulait. Ses nerfs sont à vif après cette confrontation et la condescendance dont elle a été victime. Elle sait pertinemment ce qu'il allait dire, et elle ne veut pas le laisser s'en tirer avec une excuse mal formulée. Le policier baisse les yeux, pris au piège par ses propres mots. « Rien ?» finit-il par dire d'une voix faible, cherchant à éviter un nouveau conflit. Mais le mal est déjà fait. Louise peut voir dans ses yeux qu'il lutte intérieurement avec les stéréotypes qui lui ont été inculqués. Elle décide de ne pas envenimer la situation, mais une partie d'elle souhaite qu'il reconnaisse clairement ce qui s'est passé. Elle le regarde longuement, espérant qu'il comprenne l'humiliation qu'elle vient de subir. Finalement, elle murmure, « La prochaine fois que vous arrêtez quelqu'un, essayez de ne pas le juger uniquement sur son apparence. » Sa voix est douce, mais ferme. Elle ne crie pas, elle ne s'énerve pas, mais ses mots portent un poids immense. Le policier, désormais visiblement mal à l'aise, hoche la tête sans dire un mot de plus. Il n'y a rien à ajouter. La dynamique a changé. Ce n'est plus une question d'autorité, mais une question de conscience. Louise récupère finalement ses affaires, décidée à quitter cette situation absurde. Mais quelque chose en elle sait que ce moment restera gravé dans sa mémoire. Elle sait que ce n'est pas la première fois, et probablement pas la dernière, qu'elle devra prouver sa valeur simplement à cause de la couleur de sa peau. Alors que Louise s'éloigne, le policier reste figé sur place. Il observe la silhouette de la jeune femme s'éloigner dans les rues de Paris, le sac en cuir battant légèrement contre sa hanche. Ses paroles résonnent encore dans sa tête, « La prochaine fois que vous arrêtez quelqu'un, essayez de ne pas le juger uniquement sur son apparence. » C'est comme une gifle invisible qui l'oblige à confronter une réalité qu'il a toujours refusé de voir. Pendant un instant, tout semble se suspendre autour de lui. Le bourdonnement habituel des voitures, les conversations lointaines des passants, tout cela disparaît, laissant place à une réflexion silencieuse et inconfortable. Il se retourne vers son collègue, mais ce dernier ne dit rien, se contentant de hausser les épaules, comme pour dire qu'il n'y a pas grand-chose à faire de plus. Pourtant,
l'homme se sent accablé par un poids qu'il n'avait jamais vraiment ressenti jusqu'à ce jour. Il repense à cette femme noire qui, au départ, ne représentait à ses yeux qu'une autre personne à contrôler. Pour lui, elle n'était qu'un visage parmi tant d'autres, une silhouette anonyme dans une ville pleine de diversité. Mais cette fois, quelque chose d'autre est venu troubler son jugement. C'était ce doute lancinant, cette voix intérieure qui, depuis le début, savait qu'il n'avait pas réagi de manière neutre. Dès le premier regard, il avait vu en Louise un « profil », un modèle préconçu qu'il avait assimilé inconsciemment au fil des années. Et c'est là que résidait le problème, il n'avait jamais vraiment vu Louise, seulement ce qu'il pensait qu'elle représentait. Il se rappelle les formations qu'il a suivies, où on lui parlait de vigilance, de soupçons légitimes, de sécurité publique. Mais on ne lui a jamais vraiment appris à examiner ses propres préjugés. Au contraire, ceux-ci semblent s'être installés en lui sans qu'il s'en rende compte, nourris par des années d'images, de récits, de clichés. Et voilà qu'en une fraction de seconde, cette jeune femme l'a forcé à se regarder dans un miroir qu'il évitait soigneusement. Son esprit vagabonde, cherchant à justifier son comportement. Après tout, des contrôles de routine comme celui-là, il en fait des dizaines chaque semaine. Ce n'était qu'un contrôle, rien de plus, tente-t-il de se dire. Mais au fond de lui, il sait que ce n'est pas si simple. La manière dont il a abordé Louise, ses questions teintées de suspicion, tout cela n'avait rien de routinier. Il avait été influencé, non par ses actes, mais par sa couleur de peau, son apparence, et la manière dont elle se fondait dans son idée préconçue de ce que représente une femme noire marchant seule dans Paris. Il repense au moment où elle a mentionné qu'elle travaillait dans une grande agence de design. Le choc qu'il a ressenti, comme si cela était impossible, comme si son cerveau refusait d'associer cette femme à une position de réussite et de respectabilité dans la société. Il avait tenté de masquer sa surprise, mais il sait que son visage l'a trahi. Ce moment a révélé quelque chose de beaucoup plus profond, son propre racisme latent, qu'il n'avait jamais confronté de manière consciente. Alors qu'il continue de se tenir là, son collègue s'approche enfin, rompant le silence qui pèse entre eux. « Qu'est-ce qu'elle t'a dit pour que tu sois aussi pensif ?» demande-t-il d'un ton léger, comme pour alléger la tension qui semble s'être installée. Mais l'homme n'a pas de réponse immédiate. Il sait que c'est plus complexe qu'une simple conversation. « Elle m'a fait réaliser quelque chose », murmure-t-il finalement, presque pour lui-même. Son collègue fronce les sourcils, confus, mais ne pose pas plus de questions. Ils se remettent en marche, reprenant leur patrouille comme si de rien n'était, mais pour l'homme, rien ne sera jamais tout à fait pareil après cette rencontre. Ce n'est plus un simple contrôle de routine qui s'efface avec la fin de la journée. C'est un moment qui restera gravé dans sa mémoire. Il se demande s'il a fait du tort à d'autres personnes, sans même s'en rendre compte. Des gens qu'il a contrôlés sans véritable raison, simplement parce qu'ils correspondaient à un stéréotype. Il pense à toutes ces fois où il n'a pas remis en question ses actions, où il a suivi son instinct, sans se demander si cet instinct était faussé par des préjugés. Alors qu'il tourne dans une rue plus calme, il se promet intérieurement d'être plus vigilant. Pas en ce qui concerne les autres, mais envers lui-même. Il ne peut plus ignorer ce qu'il vient de vivre. Louise a éveillé quelque chose en lui, une prise de conscience inconfortable, mais nécessaire. Il sait que le chemin sera long pour déconstruire ses réflexes, mais pour la première fois, il se sent prêt à essayer. Louise continue de marcher, essayant de mettre de la distance entre elle et cette situation qui lui a laissé un goût amer. Cependant, les battements rapides de son cœur et la tension dans ses épaules ne disparaissent pas aussi facilement. Ses pensées tourbillonnent, oscillant entre la colère et la tristesse. Elle se demande combien d'autres personnes comme elle ont dû subir ce genre de traitement injuste simplement à cause de leur apparence. Elle sait que ce n'est pas un incident isolé. Pourtant, chaque fois que cela se produit, c'est comme si un nouveau coup était porté à sa dignité. Elle s'arrête finalement près d'un banc, dans un petit parc bordé d'arbres, où elle prend un moment pour souffler. Mais avant qu'elle puisse pleinement se détendre, elle entend des pas lourds derrière elle. Le même policier revient, cette fois seul, le visage marqué par une expression indéfinissable. Il s'approche d'elle avec une sorte de maladresse, comme s'il ne savait pas exactement ce qu'il était venu dire. Mais Louise sait déjà que cette conversation ne sera pas agréable. « Écoutez, » commence-t-il, sa voix hésitante. « Je voulais juste... » Il semble chercher ses mots, et Louise l'observe, ses yeux fixés sur lui, attendant ce qui va suivre. Elle sent que ce moment est crucial, qu'il pourrait déterminer comment elle se sentira après tout cela. Mais elle ne veut pas lui faciliter la tâche. Elle est épuisée de devoir constamment expliquer et se justifier, de devoir éduquer ceux qui choisissent de l'ignorer.
Quoi ? Coupe-t-elle d'un ton sec, sans cacher son irritation. Vous voulez vous excuser maintenant ? Parce que je vous assure, cela ne changera rien. Ces mots sont durs, mais elle sait qu'ils sont nécessaires. Elle n'a pas envie de le ménager. Pas après ce qu'il vient de lui faire subir. Elle le regarde droit dans les yeux, cherchant à voir s'il comprend vraiment la gravité de ses actes. Le policier baisse les yeux, visiblement déstabilisé par la réaction de Louise. Non, enfin, oui, je veux dire, je ne voulais pas que ça se passe comme ça. Sa voix est faible, presque inaudible. Il est évident qu'il n'est pas habitué à être remis en question de cette manière, surtout pas par quelqu'un qu'il avait jugé à tort quelques instants auparavant. Louise croise les bras, attendant la suite. Elle refuse de rendre la situation plus facile pour lui. « Vous ne vouliez pas que ça se passe comme ça, » répète-t-elle, son ton maintenant chargé d'ironie. « Mais ça s'est passé exactement comme ça. Vous m'avez jugé avant même de me parler. Vous avez décidé qui j'étais en fonction de ma couleur de peau. Et maintenant, vous vous attendez à quoi ? Que je vous excuse ?» Elle secoue la tête, incrédule. « Vous ne comprenez même pas le mal que vous avez fait. » Le policier, visiblement mal à l'aise, recule légèrement. Il passe une main nerveuse dans ses cheveux courts, comme pour se donner une contenance. « Ce n'était pas mon intention, » tente-t-il de se justifier. Mais ses mots tombent dans le vide, incapables d'effacer ce qui s'est déjà produit. « L'intention ne change rien, » réplique Louise, sa voix tremblant légèrement sous l'effet de l'émotion. « Vous ne comprenez pas ce que c'est de vivre ça, encore et encore. » D'être jugé en permanence. Vous m'avez arrêté parce que je suis noir. Et ça, c'est un fait. Le policier ne sait plus où se mettre. Il tente de balbutier quelques mots, mais il se perd dans le brouhaha de ses propres pensées. Il réalise que peu importe ce qu'il dira, il ne pourra pas réparer le tort qu'il a causé. Et pour la première fois depuis longtemps, il se sent totalement impuissant. Lui qui est habitué à avoir le contrôle, à dicter le cours des événements, se retrouve soudainement dans une position de faiblesse. « Je ?» commence-t-il à nouveau, mais Louise l'interrompt, cette fois avec plus de douceur, mais tout autant de fermeté. « Vous ne comprenez pas, et vous ne comprendrez probablement jamais. » Elle soupire, sentant la fatigue émotionnelle la gagner. « Ce que vous avez fait aujourd'hui, c'est juste un exemple de ce que beaucoup de gens vivent tous les jours. Vous m'avez arrêté sans raison, et si je n'avais pas eu un bon travail ou des papiers en règle, vous m'auriez probablement traité encore plus mal. Mais même avec tout ça, cela ne change rien à la façon dont vous m'avez vu dès le départ. » Le silence qui suit est lourd, rempli de non-dits. Le policier, visiblement perturbé, hoche la tête, mais il sait qu'il n'a plus rien à ajouter. Louise, elle, sait qu'elle n'a plus rien à prouver. Elle se redresse, jette un dernier regard au policier, puis tourne les talons, décidée à ne plus accorder une seconde de plus à cette interaction. La tension qui s'était accumulée entre s'estompe avec son départ, mais le malaise reste palpable. Le policier la regarde s'éloigner, sachant qu'il a raté une occasion, qu'il n'a pas su trouver les mots, ni comprendre l'ampleur de son erreur. Pour Louise, ce moment ne sera qu'un autre épisode de sa vie, mais pour lui, c'est une confrontation avec ses propres limites, avec ses propres préjugés, qui le hantera longtemps après que cette nuit se soit terminée. En s'éloignant du policier, Louise ressent un poids sur ses épaules, un poids qui n'est pas uniquement dû à cette interaction particulière, mais à toute une vie de micro-agressions, de préjugés silencieux et de regards suspicieux. Elle marche sans vraiment regarder où elle va, les rues de Paris défilant devant elle comme un décor flou. Ses pensées, elles, sont claires, mais lourdes. Elle réfléchit à ce qui vient de se passer, à la manière dont ce simple contrôle de police s'est transformé en une confrontation directe avec les stéréotypes raciaux enracinés dans la société française. Elle se demande combien d'autres personnes, comme elle, vivent ces moments d'injustice chaque jour sans jamais pouvoir exprimer leur colère ou leur douleur. La France se vante souvent de ses idéaux républicains d'égalité, de fraternité et de liberté, mais pour des millions de personnes issues de l'immigration, ces idéaux semblent parfois hors de portée. Dans ces moments de lucidité, Louise se rend compte que ce n'était pas la première fois qu'elle était jugée sur son apparence, et certainement pas la dernière. Mais aujourd'hui, l'ampleur de la situation lui paraît plus forte, comme si elle ne pouvait plus détourner le regard. Elle pense à ses parents, qui sont venus du Sénégal pour offrir à leurs enfants un avenir meilleur. Ils lui ont toujours dit qu'en travaillant dur, en étant irréprochable, elle pourrait gravir les échelons de la société française. Et en effet, elle y est parvenue. Elle a réussi à se faire un nom dans le milieu très compétitif du design parisien. Mais ce genre de succès ne la protège pas des préjugés.
Malgré ses compétences, malgré son intelligence, malgré tout ce qu'elle a accompli, il suffit d'un seul regard pour que certains la ramènent à sa couleur de peau, à ses origines, comme si cela définissait tout ce qu'elle est. Elle pense aussi à ses amis, à ses collègues. Beaucoup d'entre eux n'ont jamais vécu ce genre d'humiliation, et parfois, ils peinent à comprendre la profondeur de ce que cela signifie. Tu exagères, c'est juste un contrôle de routine, lui a-t-on déjà dit. Mais Louise sait qu'il y a toujours plus que ce qui paraît à la surface. Ce n'est jamais juste un contrôle de routine. Ce n'est jamais juste un regard. C'est l'accumulation quotidienne de petites agressions qui finissent par user l'âme. Le simple fait de devoir prouver, encore et encore, qu'elle est à sa place, même après avoir tant travaillé pour y arriver, est épuisant. Assise sur un banc dans un parc, Louise ferme les yeux un instant, laissant les bruits de la ville s'estomper en arrière-plan. Elle se souvient d'autres épisodes similaires. Comme cette fois où, lors d'une réunion professionnelle, on l'avait confondue avec l'assistante de direction, alors qu'elle était, en réalité, la responsable du projet. Ou cette autre fois où un client avait été surpris de découvrir qu'elle parlait parfaitement français, comme si cela devait être une exception. Chaque fois, c'est un coup subtil porté à sa dignité. Et chaque fois, elle doit choisir, répondre avec fermeté ou laisser passer pour éviter un conflit. Mais aujourd'hui, elle est fatiguée de laisser passer. Elle se sent à bout de force, comme si la somme de toutes ses expériences venait de l'écraser en un seul instant. Pourtant, Louise est consciente qu'elle n'est pas la seule à vivre cela. Elle pense à ses amis proches, ceux qui partagent ses expériences. Ils se soutiennent mutuellement, mais ils savent aussi qu'ils vivent dans une société qui refuse souvent de reconnaître ses propres failles. Elle pense à l'État français, qui continue de prôner l'universalisme républicain, refusant de voir les problèmes spécifiques que rencontrent ses citoyens noirs, arabes ou issus d'autres minorités. Ce modèle d'intégration, qui prône l'indifférence à la race et à l'origine, semble être une façade derrière laquelle se cachent des inégalités bien réelles. En France, parler de race est souvent tabou, et pourtant, la race continue de jouer un rôle dans la manière dont les gens sont perçus, traités et jugés. Louise ouvre finalement les yeux et regarde autour d'elle. Le parc est paisible, les gens passent, inconscients de la tempête intérieure qu'elle traverse. Elle se sent coupée du monde, comme si personne ne pouvait vraiment comprendre ce qu'elle ressent. Mais elle sait qu'elle ne peut pas rester dans cet état. Elle a des responsabilités, un travail à mener, des projets à réaliser. Pourtant, ce qu'elle a vécu aujourd'hui ne peut pas être oublié. Ce moment lui rappelle que, malgré ses succès, elle doit toujours se battre. Non seulement pour elle, mais pour toutes les personnes qui, comme elle, sont confrontées à cette même réalité. Elle décide alors, assise sur ce banc, que cela ne doit pas rester sans suite. Elle va utiliser son art, son travail, pour dénoncer ces injustices. Elle va créer, non seulement pour le plaisir de créer, mais pour éveiller les consciences, pour ouvrir les yeux de ceux qui préfèrent détourner le regard. Louise sait que ce ne sera pas facile, mais elle est prête. Car aujourd'hui, plus que jamais, elle comprend que son rôle en tant que créatrice va au-delà du design. Elle doit aussi être une voix pour ceux qui ne peuvent pas toujours parler. Une voix contre le racisme, contre les préjugés, contre l'injustice. Louise, après avoir longuement réfléchi sur le banc du parc, se sent à la fois vidée et renforcée par ce moment de lucidité. Mais elle sait qu'elle doit rentrer chez elle. La nuit commence à tomber, et Paris se pare de ses lumières, illuminant ses monuments et ses rues animées. Pourtant, pour Louise, la lumière semble loin de pouvoir effacer l'ombre de ce qu'elle vient de vivre. Elle se lève, ajuste son manteau et commence à marcher vers la sortie du parc, son esprit encore lourd des pensées tourmentées qui l'ont accompagnée depuis la confrontation avec les policiers. Mais alors qu'elle s'apprête à rejoindre la rue principale, elle entend à nouveau des pas rapides derrière elle. Elle se fige, reconnaissant instantanément la cadence familière des bottes des forces de l'ordre. Elle sait déjà qui est là avant même de se retourner, le policier qui l'a confronté plus tôt. « Madame, attendez », appelle-t-il, visiblement hésitant mais déterminé. Louise, sentant sa patience fondre à mesure que la situation se prolonge, s'arrête à contre-séhure et se retourne pour le faire face. Il se tient là, les mains légèrement levées, comme pour indiquer qu'il ne veut plus de confrontation, mais plutôt une sorte de conclusion. « Qu'est-ce que vous voulez encore ?» demande-t-elle, sa voix calme mais imprégnée d'une fatigue palpable. Elle n'a plus l'énergie pour une autre discussion stérile, pour une nouvelle justification de son existence. Le policier reste immobile un instant, cherchant visiblement les mots justes. Il n'a pas l'air aussi sûr de lui que lors de leur première rencontre. « Je voulais juste vous dire que... »
Il hésite, les mots lui échappant encore une fois. Louise le regarde, ses bras croisés, attendant sans grande conviction qu'il trouve enfin une explication valable. Mais tout ce qu'il parvient à sortir, c'est « je suis désolé ». Le silence qui suit ces mots est presque plus fort que la confession maladroite du policier. Louise, qui s'attendait à tout sauf à des excuses, reste un moment immobile, surprise par la tournure des événements. Elle scrute le visage de l'homme devant elle, cherchant à comprendre s'il est sincère ou s'il essaie simplement de se racheter à ses propres yeux. « Désolé », répète-t-elle doucement, presque incrédule. « Désolé de quoi exactement ? Désolé de m'avoir arrêté sans raison ? Désolé de m'avoir jugé parce que je suis noire ? Désolé d'avoir pensé que je n'étais pas à ma place dans cette ville, dans ce quartier, ou même dans ce pays ?» Le policier baisse les yeux, incapable de soutenir son regard. Il sait que Louise a raison, que ses excuses sont superficielles tant qu'il n'admet pas la profondeur de ses erreurs. Mais il n'a pas les mots pour exprimer tout ce qu'il ressent à cet instant. Il se sent piégé, comme s'il devait choisir entre reconnaître pleinement son racisme latent ou se retirer dans un silence coupable. « Oui », finit-il par murmurer. « Désolé pour tout ça. » Louise l'observe un moment, pesant ses paroles. Elle n'a pas envie de pardonner si facilement, parce que ce n'est pas un simple pardon qui effacera ce qu'elle a ressenti. Mais en même temps, elle voit dans les yeux de cet homme un conflit réel, une lutte intérieure qu'elle n'avait pas prévue. Il est clairement déstabilisé, peut-être pour la première fois de sa vie confronté à ses propres préjugés. Cela, en soi, est un petit pas. « Vous pensez vraiment que ça change quelque chose, des excuses ?» demande-t-elle, plus pour elle-même que pour lui. « Vous croyez que ça efface ce que j'ai ressenti, ce que d'autres ressentent tous les jours ?» Le policier ne répond pas tout de suite. Il se contente de hocher la tête lentement, comme s'il réalisait enfin l'étendue de son ignorance. « Non, je suppose que non. » Sa voix est presque un murmure, et Louise peut voir dans ses yeux qu'il n'a pas toutes les réponses. Mais elle sent aussi qu'il essaie, d'une manière maladroite, de faire face à une réalité qu'il avait ignorée jusque-là. Louise soupire, les bras toujours croisés, avant de relâcher un peu la tension dans ses épaules. « Vous savez, » commence-t-elle, d'une voix plus douce cette fois, « ce n'est pas à moi de vous éduquer. Ce n'est pas à moi de vous apprendre ce qu'est le racisme ou comment le combattre. Mais si vous voulez vraiment faire quelque chose, commencez par réfléchir à la manière dont vous regardez les gens, dont vous les traitez. Ça, c'est à vous de le comprendre. » Le policier hoche la tête, toujours silencieux, prenant en compte chaque mot. Louise sait qu'il n'a probablement jamais eu une telle conversation auparavant. Elle n'a aucune idée si cela changera vraiment quelque chose dans sa vie, mais elle se dit que peut-être, cette confrontation a semé une graine. Sans ajouter un mot de plus, elle fait demi-tour et s'éloigne, cette fois pour de bon. Elle ne se retourne pas, ne cherchant pas à voir si le policier la regarde partir. Tout ce qui compte pour elle, c'est de continuer à avancer, de ne plus laisser ce moment la définir. Le policier reste là, seul, dans la lumière vacillante des réverbères parisiens. Il regarde Louise s'éloigner, ses paroles tournant encore et encore dans son esprit. Pour la première fois, il se sent réellement interpellé par quelque chose qu'il ne peut pas simplement laisser passer. Il sait qu'il devra réfléchir longtemps à ce qui vient de se passer, et que ce n'est que le début d'une introspection nécessaire. Pour Louise, la confrontation est terminée, mais l'impact restera. Elle sait qu'elle ne pourra jamais oublier ce moment, mais elle est déterminée à en faire quelque chose. Alors qu'elle marche sous les lumières de la ville, elle décide que cet épisode alimentera sa prochaine création, une œuvre qui dénoncera cette société où le racisme se cache souvent derrière des visages polis et des excuses superficielles. Après l'incident, Louise rentre finalement chez elle, un appartement chaleureux situé dans un quartier résidentiel de Montreuil. En traversant la porte, elle ressent une vague de fatigue profonde l'envahir. Ce n'est pas seulement la fatigue physique, mais une lassitude émotionnelle, un poids invisible qui s'accumule à chaque confrontation avec les préjugés. Elle pose son sac sur la table de la cuisine et se laisse tomber sur le canapé, fixant le plafond. La pièce est silencieuse, une sorte de refuge après l'agitation de la rue, mais son esprit, lui, continue de ressasser les événements de la journée. Le visage du policier revient sans cesse dans ses pensées. Ses excuses maladroites, son incapacité à comprendre pleinement le mal qu'il avait fait. Pourtant, Louise sait qu'il ne s'agit pas uniquement de lui, ni même de cet unique incident. C'est une histoire plus vaste, une histoire de société, d'injustice systémique qui dépasse de loin cette interaction particulière. Mais ce qui la frappe le plus, c'est la façon dont elle-même a réagi. Il y a quelques années,
Peut-être, elle aurait été plus silencieuse, plus conciliante. Mais aujourd'hui, elle se rend compte qu'elle n'est plus prête à accepter ses agressions, même petites, sans rien dire. Elle repense aux nombreuses fois où elle a dû se taire, sourire pour éviter les conflits, ignorer les commentaires déplacés pour ne pas faire de vagues. Mais cette fois, elle a parlé. Cette fois, elle a refusé de se plier. Et bien que cela lui ait coûté de l'énergie, elle sait qu'il était nécessaire de le faire. Pourtant, elle se sent tiraillée entre la satisfaction d'avoir fait face et la fatigue que cela entraîne. Se défendre, encore et encore, contre des agressions qui ne devraient même pas exister, c'est épuisant. Louise se lève finalement et va dans son bureau, une petite pièce remplie de dessins, de croquis et de projets en cours. Elle sait qu'elle doit transformer cette expérience en quelque chose de productif, en une création qui puisse parler non seulement pour elle, mais pour tant d'autres personnes qui, comme elle, ont vécu des moments similaires. Elle allume son ordinateur et commence à griffonner quelques idées. Le design a toujours été son exutoire, son moyen de canaliser ses émotions et de donner un sens à ce qui semble parfois insensé. Elle repense à ce que lui avaient dit ses parents lorsqu'elle était enfant, « Utilise tes compétences pour élever ta voix, pour dire ce que les autres ne peuvent pas dire. » Elle n'avait pas toujours compris ces paroles à l'époque, mais aujourd'hui, elles prennent tout leur sens. Elle sait que son travail peut avoir un impact, qu'il peut être plus qu'un simple produit esthétique. Elle peut utiliser sa plateforme, son talent, pour dénoncer les inégalités et pour inspirer d'autres personnes à ne pas se laisser faire face à l'injustice. Les premières esquisses qui apparaissent sur l'écran sont simples, mais puissantes. Des silhouettes humaines, noires, blanches, mélangées, se tenant côte à côte dans des compositions minimalistes. Elle veut créer une œuvre qui reflète la lutte, mais aussi l'espoir, un message qui montre que même face aux préjugés, la résilience et la solidarité peuvent prévaloir. Les heures passent et Louise travaille sans relâche, ses pensées se transformant en formes et couleurs sur l'écran. Elle sait que cette œuvre ne changera pas le monde du jour au lendemain, mais elle espère qu'elle touchera au moins quelques cœurs, qu'elle fera réfléchir, qu'elle ébranlera peut-être les certitudes de ceux qui, comme ce policier, n'ont jamais vraiment remis en question leurs préjugés. Elle pense aussi à la génération future, aux jeunes filles noires qui grandissent dans une société qui ne les valorise pas toujours à leur juste valeur. Elle veut que ces filles, comme elle, puissent voir que le succès est possible, mais aussi que la lutte pour l'égalité est encore loin d'être terminée. Louise sait que ce n'est pas facile, mais elle veut leur montrer, à travers son travail, que leur voix compte, que leur existence compte, et que chaque fois qu'elles se battent contre l'injustice, elles font un pas de plus vers un avenir meilleur. Lorsque l'aube commence à poindre à l'horizon, Louise s'arrête enfin, regardant les créations qu'elle a produites. Elle est satisfaite de ce qu'elle a accompli, non seulement artistiquement, mais émotionnellement. Ce moment d'injustice ne la définira pas. Ce qu'elle en fera, en revanche, le pourra. En éteignant son ordinateur, elle sait que la route est encore longue, que des moments similaires se reproduiront probablement. Mais elle est prête. Chaque nouvelle confrontation avec l'injustice n'est qu'un rappel que son travail, son art, et sa voix sont plus nécessaires que jamais. Alors que la lumière du matin inonde doucement la pièce, Louise se sent en paix, prête à affronter un nouveau jour. Car elle sait que, malgré tout, elle a la force de transformer ses expériences douloureuses en quelque chose de beau, de puissant et de signifiant. Laissez un like, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche et regardez cette prochaine histoire qui est vraiment émouvante.